Salut D, on se retrouve pour ce 12e épisode sur la saga Crusader Kings 2. Et donc la dernière fois, on avait conquis pas mal de territoires ici, hein, au niveau du nord de l'Allemagne, et certainement une bonne partie de la Pologne aussi, hein, à mon avis ici, de jure, ça doit être le royaume de Pologne, effectivement. Alors l'Empire Wend, on ne pourra pas le créer parce qu'on n'est ni slave ni balte. Sinon, en soi, je crois qu'on aurait potentiellement. Ah non, il faut avoir 80% d'un accès 59. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas, donc ça ne sert à rien. On sait que la Bavière et la France orientale, pardon, se sont splittées vu le décès du roi de France orientale. Les deux fils en partage salique ont hérité, ce qui explique pourquoi moi je ne mets pas partage salique. Bon, je ne vous recommence pas tout le tour de tout le monde, vous savez où on en est. Je vais juste vérifier moi-même le nombre de troupes qu'on pourrait potentiellement avoir, 32K. Je méfie de mon principal adversaire qui lui reste à 36 potentiel, donc il peut être au-dessus de nous. Heureusement, on a toujours ces petites troupes-ci. Ça, on ne nous les enlevera plus. Je vérifie que je ne peux pas relever de nouvelles escortes, non. Alors, c'est grâce au royaume. Donc à mon avis, ouais, là si je passe en truc en empire, certainement que je pourrais enlever d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, j'hésitais ici, là Yaroslav par exemple, à lui déclarer la guerre. Il est rebelle de son armée, mais je n'en ai rien à foutre. On va lever des troupes dans la région. Ouh là là. Pas le pied ici, hein. Vous allez me dire, c'est peut-être des nouveaux comtés aussi, donc ceci expliquerait cela. Hop. On va envoyer nos troupes aussi. Alors là, ça fait combien? 3000, c'est peu, mais on va faire avec. Ouais, non, peut-être pas comme ça. Non, pas vous autres. Vous, là. On va continuer à lever des troupes à nous, parce que franchement, 3000, c'est un peu peu. Voilà, là on est au moins dans les 4-5 000. Pareil, on va juste lever. Tiens, c'est bizarre, lui il se serait rebellé contre son chef. Conquête, oui, et il est rebellé contre la tyrannie de son chef, donc c'est pour ça que on a droit à ses troupes en plus. Voilà, là on doit être à petit 7 000 à mon avis, donc on va enlever 6 000 et demi. On est même à petit 8 000, allez en avant. C'est parti. Yippee-ki-yay, bande de cons. Donc bah oui, forcément on se retrouve contre les gardes Akiri. Mon dieu. C'est un royaume. Oui, le royaume est quand même assez vaste à mon avis. Tous ceux-là se sont splittés. Voyons, les Raoslav sont là. Et là, ça j'avais pas vu par contre qu'il y en avait là. Ça va poser problème. J'ai peut-être été un peu vite. Oh, bon bref, c'est pas bien grave. Vos vassaux apprécieraient la clémence que je relâche Jean-Hubert ici. Bah oui, on va le relâcher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Acceptez l'amour que je ressens pour Yaroslav. Ouais. Ou pas. Allez, on va accepter l'amour. Hein. C'est ma femme en fait. J'avais peur, mais c'est ma femme, donc aucun problème. Acceptons l'amour. Plus d'amour. Allez, on attaque, on attaque, on attaque. Parce que sinon on perd des troupes, hein, vous voyez, c'est. Ah non, on perd pas des troupes chez eux. Alors, je peux mettre des gens au cachot, et ça, parfois, j'aime. Ah ben lui, je peux, parce qu'à mon avis, il s'est rebellé contre son. Ouais, bon, mais j'ai oublié son truc, c'est pas grave. Il s'est rebellé contre son roi. Mais j'ai pas envie en fait à la base. Mon domaine est trop vaste, il y a eu un mort. Chef Miklos de Moldavie serait mort, donc j'aurais hérité de la Moldavie si je comprends bien. Ah oui, effectivement, j'aurais hérité de la Moldavie. Eh ben, si tu fais le malin, tiens-toi. Puisque tu fais le malinois, ben c'est toi qui vas devenir duc.
Hop, et tu vas prendre les autres avec toi, tiens. Voilà. Alors ici, on en est où? Bon, ça, on va même pas perdre des troupes, on va attendre quelques jours, hein, ce sera beaucoup plus simple. Pareil pour l'autre, on va pas se faire chier. Hop là. Et ben, le problème, c'est qu'on va devoir aller jusque là-haut, donc là, ça va certainement nous coûter un peu des hommes. Non, ici on peut être 15K, ici seulement 400, et ça va être ici le problème. Excusez-moi pour les tucs, c'est à mon avis Origin qui est toujours connecté, et c'est mes amis qui s'amusent et jouent à Battlefield 4, mais mon PC n'étant pas assez puissant, dès que je fais une partie, ça quitte. Alors, bah, je joue à Crusader Kings d'un côté, vous êtes gagnant. Allez, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ah bah attendez. Ah non, c'est pas leur troupe, donc c'est un peu con. On perd 7, on va laisser un petit peu perdre. Pour une simple raison, que comme ça, ce sera plus simple à prendre. J'ai peut-être fait une bêtise, là. Je ne voulais pas cliquer maintenant. Oh, si ça va. On va perdre des troupes, ça c'est sûr. On aura perdu un millier d'hommes quasi au total, mais... Là, je prends même pas le temps d'attendre. Voilà. Oui. Tiens, 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 il y a encore eu un mort en fait. Revenez ici, vous autres. Bon, qui est mort? Odina. Je ne sais pas. Il y en a un qui est mort apparemment, donc j'ai dû hériter de certains comtés. Les comtés de par ici. Donc c'est Hongrie, c'est tout. Ah ouais, bah non, ici ceux-là c'est ceux que je viens de prendre, pardon. Et de Jure, il fait partie du duché de Smolensk que je ne contrôle pas. Donc à la rigueur, celui-là je peux le garder. Et c'est celui-ci que je devrais donner. Et c'est tout là, je pense. Ah ouais, Itil aussi quand même ici derrière. Non, Itil je le garde. Hein. Itil, je le garde, pardon. Alors, le sexe masculin, pas en prison, pas titré, de ma religion, de ma culture. Et de préférence, pas ambitieux. Hein. Lui, par exemple, bon, il est absolument pas diplomate. Mais en soi, c'est pas dire que je m'en fous, mais... Mais si en fait. Hop, cadeau. Et on va reprendre un second. Hop, hop, je l'élimine pour être sûr. C'est bon, il est ambitieux. Putain, ceux qui sont ambitieux, ils sont diplomates. Les autres, c'est vraiment des clètes. Ah, peut-être lui, tiens. Voilà. Finalement, je vais te donner Smolensk là au-dessus. Cadeau, mon petit. Ah ouais, je peux créer les royaumes, toujours des traits avec Spire contre... Ah bah ça tombe bien, tiens. Vivement que les trêves soient expirées, je crois que dans 10 jours, il va avoir mal. 3, 2, 1... Hop, plus de trêve. On a levé l'host, oui c'est juste, on attend qu'il revienne là, il n'est pas très pressé d'ailleurs. 24 mars... 21 avril, encore 20 jours et on peut attaquer. Puis lorsqu'on va lever l'host, enfin démobiliser l'host pour le relever, mais c'est pas bien grave, parce que j'aime pas de... Je peux bien lui proposer, mais à mon avis il ne voudra pas, ben forcément il est slave, donc je ne vais pas avoir le choix. Ah, je ne peux prendre qu'un titre à la fois. Oh, c'est con ça. Où en est notre religion? Elle a une très bonne autorité morale. Hein, rien qu'avec le contrôle, on a déjà 50%, 20% que la religion organisée 70%. Ouais, la piété de mon chef, c'est pas ça. Les souverains convertis, heureusement qu'on gagne des guerres saintes. Donc en fait, on va continuer avec une guerre sainte ici, comme ça... de toute façon, je pense que les slaves sont de moins en moins, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais, tous ceux-là sont remués. Vous voyez, niveau slave, il n'y a plus rien, donc on va se faire plaisir. Hop. Eh ben, on va te déclarer la guerre. Bah oui, pour lui, hein, tant qu'à faire, on va prendre celui qui
sa capitale actuelle. Hein, pas du tout les religions que je voulais montrer, c'était les différentes puissances. Olomouc. Ici, ici. Ça nous ferait quoi ça? 5000 hommes. Bah, venez déjà là. On va aller chercher Brandebourg. Wolgast. La Saxe avec. Ça, ça fait 7000 hommes. 7000 hommes, ouais, il doit être petit millier, donc on va quand même assurer le coup en appelant ceci et ceci, mais c'est vraiment pour assurer le coup. Hop, alors, c'est qui ça? C'est mon chef religieux. Ah oui, c'est les Lollards, c'est juste. Je convertis du Lollard. C'est rigolo, les Lollards. Oh, mais regardez donc! Oh, j'ai levé mes hosts trop tôt. Tant pis. Et j'hérite encore de compter, mais j'ai bien fait de ne pas... de donner l'autre, en fait. Ouais, je pourrais le donner aussi, hein, celui-là, c'est où, ça? Alors, c'est quoi? Oh, bah, ça a décompté qui fait partie de Prague, en fait. Donc je vais quand même le donner, je vais le garder pour moi, mais je vais le donner à un gars bon, mais pas trop, genre lui. Tiens. Ça, il reste quand même sous ma tutelle. Hein. Allez, là, ils sont soi-disant indépendants, puisqu'ils sont censés faire partie du duché de Bohème, mais le duc de Bohème, c'est moi. Donc, ça résout le problème. On va essayer, j'espère que la guerre va être assez rapidos comme ça. On n'en parle plus. Bon, il ne bouge déjà pas ses troupes, ou du moins il n'aura pas le temps de les bouger. On va arriver avec le reste en plus avant la fin de la bataille. Voilà, il a tout perdu. On est en nombre, on attend de pouvoir attaquer. Et normalement, dès qu'on aura attaqué, ça c'est fini. Je pense que ça ne devrait pas être long. Hop. Ah non, on doit prendre le deuxième aussi. Et ben voilà, je t'offre la paix. Toi, tu m'offres ton comté. Hop, hop, mon domaine du coup est trop vaste. Alors qu'en fait, absolument pas. Et je deviens duc. Alors, on va quand même faire jouer la concurrence. Parce que si je le mets lui, il aura les deux comtés. Pas de concurrence potentielle. Moi, j'aime bien mettre un peu de concurrence entre eux. Mettre un bon diplomate. Tiens, lui ici. Hop. Voilà, et il s'appelle Boldizar. Et je te transfère le vassalage de Boldizar parce que ça m'emmerde de le garder. Bon, apparemment, il l'a déjà. Ah ben non, c'est moi qui suis toujours le chef. 10-6, allez. Hop, te voilà, duc. En avant. Hop, voyez. Un nouveau duché, on est content. Alors ici, qu'est-ce que ça peut donner? Ça donne que la Franconie s'est rebellée. Ainsi que ceci. Je pourrais faire une invasion de la... Je crois que je vais faire une conquête de titre. On va pas trop s'emmerder. On va essayer simplement de faire une petite conquête de titre. Ça, ça va être très dur de gagner. Hein, parce que c'est une guerre, c'est une invasion. Donc... Je crois qu'on va se contenter de deux conquêtes de titres. Là par contre, c'est plus la peine de se marrer. Ah, vous voyez, on peut refaire des troupes en plus. Hop, on va pas se priver d'ailleurs. Hop, vous autres, vous venez là. Et on va lever les troupes. Alors, vous autres, venez là, ça fera 10 000. Vous autres, ici, venez là, ça fera 15 000. Vous, c'est même pas la peine de penser d'arriver le temps que vous arriviez. La guerre sera finie. Et ici, c'est fort pareil, à mon avis. On va déjà voir un petit peu comment ça se décante ainsi. Et donc, ceux-là, à mon humble avis... On peut les renvoyer.
Oh bah merde, la guerre n'est plus bonne. Donc bah finalement tout le monde rentre chez soi. Eh oui, le casus belli n'est plus valide, vous voyez, ils ont repris le. Ouh, par contre la Lotharingie a envahi la Bavière, ça c'est génialissime. Ce qui signifie que je suppose qu'il a créé le royaume de Bavière. Bah oui, il s'est pas fait chier lui. La Lotharingie devient réellement puissante, ça fait peur. 27 000 hommes, on est toujours au-dessus, hein, mais je vous rappelle toujours les alliés, quoi. On est toujours au-dessus, mais il y a les alliés. Bah, il serait bien que je meure un jour. Oh, mais quand je vois les compétences de mon fils, quoi. D'où vient qu'il a zéro en attendance? Il est glouton et paresseux, ce con. Et c'est surtout lui qui me fait peur. Lui, il est bon à rien, lui. Mais attendez. Ah mais si, il est mort en fait lui. Qu'est-ce que j'essaie de tuer moi? Ma belle-fille. Ah oui, je voulais qu'elle lui fasse un fils. Plus besoin, t'en as fait un. Tu en as fait un, il n'y a plus besoin. Et apparemment, il n'est pas totalement stupide. Ouais, mon fils a un malheureux comté, vous voyez, je peux plus rien du tout lui accorder à cause... À cause de cette partage salique là, de ce partage salique de mes deux. Il peut te dissuader d'intégrer. Bah oui, je t'interdis. Allez, il y a une... Oh, il y avait 2,1% de puissance. Ouah, c'est dangereux. Et on va étudier une technologie à Nassau, tiens. On a quand même une belle tâche hein, en plein milieu. Comme une belle tâche en plein milieu. Danemark a l'air d'être en guerre contre l'Angleterre. Ah oui, c'est juste. Pour, si ma mémoire est bonne, un petit comté par ici. Ouais. Et je suppose que l'Angleterre est en train de gagner là. Eh non, c'est 11% pour lui. Alors, on en est où là? Allez, il reste encore quelques minutes. Hein. Allez. Meurs. Mais faites que ce roi meure. Je peux toujours pas t'attaquer, toi, je suppose. C'est toujours le même qui... Celui de Galitch, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer le chef de Primsil. Ben non, je veux... Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Lui, il veut tuer quelques... Non plus, on ne tue pas des gens comme ça, il n'y a que moi qui peux tuer des gens. Alors celui de Molavie, il a trigué tout ça, machin. Putain, j'ai envie de m'amuser, mais c'est parce que c'est lui qui a le truc, donc si je fais ça, je me prends toute la Moldavie sur la gueule, quoi. Bon, et puis reste comme ça, et arrête de m'emmerder. Ouais, c'est vrai que je vous ai jamais montré, mais j'ai des complots connus. Donc, par exemple, vous voyez, je vois que celui-ci est là, bah, je pourrais lui dire d'arrêter de soutenir tel complot, le complot de lui. Voilà, je veux pas qu'il tue près de cela. Et je lui dis non, voilà, c'est pas bien, par exemple. Bon, c'est peut-être pris le mauvais parce que déjà il n'est pas en grande... Bah si, il m'aime bien en fait. Le diable, je l'interdis de rejoindre un complot. Ah oui, ça fait plus 50 parce que je l'ai découvert. Ouh, mais c'est magnifique ça. C'est toujours bon à savoir ça. Donc le Elec ici, là, il m'aime pas lui. Il va pas avoir le choix. Il m'aime pas. Bah, il m'aime toujours pas. Hein. À mon avis, je suis un hérétique. Ouais, donc oui, je suis un hérétique pour lui, donc forcément, c'est pas... Et je ne pourrais pas l'arrêter. Non, je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas. Ouais, bref, il me sert à rien. Je m'en fous. Des trêves contre le monsieur de Poméranie. Bah justement, on va terminer par ça. On va attendre que ça se finisse. Dans 2 mois, on peut l'attaquer. Et quand on peut l'attaquer, on va lui locher la tête.
puis bah, excuse-moi, mais faudrait que j'attaque peut-être le Danemark. Ça me perd bien de monter un coup là-haut. Puis ça doit être fort niveau flotte là au-dessus, ça doit pas être mal, tiens. Ou par contre, il me semble que là. Ouais, non, ça va, c'est toujours. Mon chancelier a décidé de nous quitter, enfin, nous quitte malheureusement. Sniff, sniff. On va fabriquer des revendications toujours là-dessus. Je ne fabrique pas des revendications chez moi, non, ça va. Voilà. Alors, niveau escorte, nous sommes toujours au maximum. Ah, Ancienne Tengri. Ouh, quand même 2000 hommes, l'enfoiré. Bon, bah, ça va nous occuper un peu aussi, tiens, ça. Bon, là, on égalise. Là, on passe devant. Et là, on l'atomise. Et aussi, toi. Plus on est de fous, moins il rit. Et en plus la guerre. Oh zut, j'aurais dû lui déclarer la guerre avant. En plus il est en guerre contre. Conquête de Cracovie. Il essaye de conquérir Cracovie. Voilà, on va vite aller péter ça. Et merde. On est là le 3 septembre, il est là le 5 septembre. Ouf. Oh, mais nous, il faut qu'on attende alors. Hein. Vous voyez, là, j'aurais pas fait gaffe, par exemple, j'y allais comme un gros bourrin. Et je perdais des troupes bêtement parce que le gars, il va arriver. Voilà, il est sur mes terres, vous voyez. Donc nous on sera là le 18 octobre, il arrivera le 24. Nous on est là le 5, donc c'est parfait. Là vous voyez, il voit qu'on a plus de troupes, donc ça l'intéresse plus. Par contre, il va essayer de se barrer comme un gros traître. Bon, les hérésies, je m'en fous un peu en fait. Bon, il a déjà perdu un flanc. Son flanc gauche est tombé, les deux autres flancs sont tombés aussi. C'est parfait. Alors, siège de Kherson. Victoire. Pas très bien compris. Ah, peut-être qu'il attaquait en même temps. Ça, il m'emmerde parce que en se mettant là, pour les 4% qui restent, il m'empêche d'attaquer tout de suite, donc je vais perdre bah, rien du tout, hein, 3-4 jours, mais... Là, faut qu'on m'explique un truc. Ah, bah c'est bien, c'est Odia à moi qui a attaqué en fait. Ah, c'est cool. Je croyais que l'autre, en fait, il attaquait... Oh, regardez-moi. Il va perdre sa tête. Ça, c'est quand on joue nordique, c'est bien, parce qu'on... Il y a des... Je ne sais plus le nom exact du truc, ça risque de me revenir, mais là, comme ça, je ne sais plus le nom. Tous les X temps, on peut... C'est une espèce de fête religieuse, on exécute des gens. Et moi, ça, je trouve que c'est classe, quand même. Enfin, sauf si on est les gens en question, mais ça... Nixte my problème, hein. Bon allez, on prend ça et je crois qu'on clôturera là pour aujourd'hui. Semble qu'on aura déjà fait pas mal. Allez, en avant. Le seul souci, c'est qu'il a pris ça. Qui fait normalement partie du duché. Oh bah c'est bien, il avait pris un truc de son duché en fait. Je n'ai même rien à dire. Je ne peux même rien dire quoi. Par contre, lui, il se fait mais... défoncé là pour le moment et il gagne encore de 17%. On a quand même qu'on m'explique parce que oui mais bon.
4000, 7, 5007, 7000. Ou bagarre là au-dessus. Où les Norvégiens se font avoir. Bon, j'attaque. Je vois qu'il essaie d'aller chercher des cités à moi alors. Eh oh, c'est chez moi là. On ne casse pas du Norvégien chez moi. Je ne suis pas content. S'en fout des pertes ici. Le but c'est de prendre sa cité. Hein. Pas se casser trop la nanette. Voilà. Voilà. Hop, hop. Merci. Au revoir. Et à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Alors, à qui est-ce que je dois donner Stettin? Au duc de Poméranie. Ah, Diary. Pas d'enfant. Allez, je prends le risque. Parce que j'ai envie, je prends le risque. C'est vraiment ça, quoi. Hop. Je te crée le duché. Je suis grand seigneur. Je t'accorde un titre foncé. Foncier, pardon. Ah, c'est vert foncé, on va dire. Et voilà. Un duché supplémentaire. Vous voyez le nombre de duchés qu'il y a quand même ici. Nom de Zeus. Hop. Ah, les Arabes sont chaque fois puissants. On aurait été au contact avec eux à ma partie là, avec les Danois. C'est la merde à traverser tout ça parce que c'est tout des déserts. On a droit qu'à 5-6 000 hommes. Bah, regardez, 3, 4, 5, 6, 7. Et prends tout comme ça, c'est d'un long et d'un pénible. C'est comme prendre ici dans le fond le Ghana, c'est. Oh là 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 là. Bon, avant que je n'y sois ici, je crois qu'avant que je ne sois là, j'aurais déjà pris une bonne partie de tout ça. Le problème, c'est que j'ai pas de bateau. Oh, regardez. Oh, regardez. On va pouvoir faire la guerre. Hop. Hop. Nous allons envahir la Serbie et la Croatie. Mais ce sera pour le prochain épisode. Et oui, bah donc je vous dis à bientôt. Hein. On se retrouve bientôt pour l'épisode 13, l'épisode maudit. Allez, ciao.